Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Thank you.
laisse pas repartir. Sans que tu m'as béni, sans que tu m'as délivré, sans que tu m'as guéri, je ne te laisse jamais repartir. I will never let you go. Ne m'attendez pas avant de sortir de vos situations. The reason why I say this, la
raison pour laquelle je dis cela. Because anointing. Parce que l'onction. Anointing. L'onction. To make difference. Pour faire la différence. Is available in your midst. Est disponible parmi vous. Je reçois. Anointing to make difference in your midst. Thank you.
puissance du Saint-Esprit. Suivez toute ma voix. Maintenant, la guérison est là. Is not the same way. Please rise up.
and say your testimony. God wants to do great things. Jesus said that those that be in him, all things are possible. Jésus a dit pour ceux qui sont en lui, tout est possible. God, my God, my God. Yes. Oui. Tell us your name and give us what you are feeling, what is happening after the prayer. Donne-nous ton nom et dis-nous ce qui s'est passé après la prière. What is your name? Your name, please. Donne-nous ton nom. Your name, please. And what was the problem that you're having before coming here? Quel était le problème que tu avais avant de venir ici? You are not feeling that pain again. That pain again. Oh, God. Christ, le fond qui chante Christ pour venir nous t'apparaître. Amen.
ton voisin, je ne peux pas mourir par l'ignorance. Vous allez me connaître. Vous ne connaissez même pas encore. Jesus told his disciples, see that I'm with you, you don't yet know me. When will you know me? Donc depuis que vous avez le prophète de Dieu, vous ne connaissez pas qui que Dieu utilise. Vous seulement regardez qui va venir vous donner les bouteilles qui avaient mélangé le bois avec le caca. Attendez, vous allez voir. Since you are with the prophet of God, you have not yet known him. You don't yet know what he uses, the way God uses him to heal you. You are waiting for him to give you a bottle filled with sticks to drink and be healed. Amen. La bouteille que tu es en train d'attendre, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le grand physicien. Tu as lu ça dans ta Bible, comment ça peut se manifester? You have read that in your Bible, how will it manifest? Voilà ce que tu vois là. This is what you are seeing. Donc maintenant tu ne ressens rien. Yeah. Rien. Fais ce que tu n'as pas fait. Oh my God. Allez, chasse moi chez la Seigneur. Tu te dis que ça ne m'arrive pas. Je ne crois pas. Attendez, croyez pas. Mais restez. Mais tu voudras. You can say, if I don't see, I will not believe. Wait, just see. Christ a dit, ceux qui croient à lui, sera sauvé. C'est l'écriture que toi-même tu es en train de lire. That is the Bible that you are reading. Le prophète de Dieu a dit, depuis lundi, il commence le silo. Donc vous-même, vous êtes en train de venir. Vous n'êtes pas encore préparé. Dis à ton voisin, il ne faut pas que le silo me passe. C'est le même, il ne faut pas que le silo me passe. Dis à ton voisin, il ne faut pas que le silo me passe. Il ne faut pas que le silo me passe. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Même pour me coucher, il fallait d'abord mettre les mains sur le lit. Hein? Pour me soulever, pour me lever, je pouvais tout faire. Oh my God. Amen. C'est difficile à se mettre d'accord. Hier, là, c'est difficile à se mettre un peu à genoux ou pour se placer les mains. Oui, pour me coucher, même c'était difficile. Hein? He said it was difficult for him to lie down on the bed. He will put his hand on the bed before going slowly and lying on the bed. It was difficult here yesterday. Oh, maintenant c'est devenu facile pour toi. Facile. Hein? Facile. He said now he can bend down. Oh my God. Celui qui croit dans sa chambre, je suis pas content. Parce que Christ a dit, il ne force pas pour donner la guérison. Le salut est personnel. I say everywhere those who believe, because Christ says those who believe. C'est lui qui croit qui va recevoir. Those who believe. Si tu crois, je dis reçois. Papa, ta guérison est restée par le moment avec toi là, tu dis ça avec Jésus. Amen. Ne laisse plus continuer dans le sommeil de Jésus-Christ. Acclamez ton programme, non? Seigneur Jésus, merci Seigneur. Yes. Anyone? Yes, Danny, there is another person I want to testify the goodness of the Lord. Yes. Yes, please present yourself. Oui, présente-toi. I'm confessed to me. Yes, what was your problem before you come here? When I came, I was having sharp pains on my bladder. So just after the prayer, and I'm not bubbling the pains. You are having what? Sharp pains on my bladder, yeah. Oh my God. Bladder. Yes, so now I'm not feeling it again. After the prayer, put your hands together for your bladder. Hey! Yes! Lui, le femme dit que quand il est arrivé, il ressentait des douleurs au niveau du
du bas-ventre. Maintenant, après la prière, il ne ressent plus rien. Ça, c'est la guérison instantanée que Dieu a fait parmi ces gens aujourd'hui. Are you just washing? But if you are not feeling, if you are not give yourself your heart, be available. Mais si tu ne donnes pas ton cœur, si ton cœur n'est pas disponible pour Dieu, let me tell you. Laissez-moi vous dire. Healing. La guérison is available. Est disponible. But you better get it. Mais la manière dont tu vas obtenir ta guérison. Il faut que ton cœur soit disponible. Now you are not feeling. Bless your body, let us see. Appuie ton corps, appuie. Je ne ressens plus. He said he's not feeling any pain. If you are happy for what the Lord has done, continue. Beautiful for the living of God. Tell me, brother. Dis à ton voix. My hope is coming. Pour moi, my hope is coming. Pour moi, my hope. Are you not sure that your own has come? Yes. I said, if you are sure what you are sure, and you know that your own has come, I said, receive! Put your hands together. Brother, your healing has been. Amen. Ta guérison va demeurer permanente dans le nom de Jésus. Amen. Now go and sin no more. Amen. Va et ne pêche plus. Live the way of the Lord and your destiny will be fulfilled in Jesus' name. Amen. Sur le chemin du Seigneur et ta destinée va s'accomplir. Yes. Put your hands together. Acclamez dans le Seigneur. Run up and down. Yes. Come and give the mic. Yes, Mother, yes. Present yourself. Oui, maman, and your wonderful testimony. Présente-toi et donne-nous ton témoignage. Je suis maman Rebecca Wanga. What was the problem that you are having before you come here? Quel était le problème que tu avais avant d'arriver ici? La douleur a commencé avant hier et hier ça s'est empiré et aujourd'hui vraiment j'étais obligée de prendre les médicaments. Donc heureusement que je l'ai partagé avec mon époux et même ma mère. Donc, en disant que, moi, je ne sais pas, parce que d'autres idées commençaient déjà à me prendre la tête. Beaucoup savent que je viens de perdre mon père. Donc, la douleur commençait par la tête et surtout le thorax. Et j'ai commencé à prendre peur, vraiment, même aujourd'hui, je n'ai pas bien travaillé. Et tout à l'heure, là, bizarrement, après la prière et tout, je ne ressens plus les douleurs, les maux que je ressentais. Je suis totalement... Oh my God, you are not even said to every check. I thought you said to every check. It's not done. I said, healing is breathing. Je dis que la guérison respire. I said now, so I'm talking to you. Healing has breathed now. Je dis au moment où je vous parle, la guérison respire. Healing has breathed. He has breathed. La guérison souffle. Healing has breathed. La guérison souffle. God, I don't know whether somebody come here with preparation to be available for Jesus. Je sais pas ce qu'il y a. If I say stand up, where you are, stand up. Healing has breathed. La guérison souffle. Healing has breathed. Oh my God. So now you are not feeling any pain. Donc maintenant tu ne ressens plus aucune douleur. Je ne ressens plus puisqu'on a dit de sauter, de bouger.
je me porte bien, j'ai plus cette douleur. Amen. My God. Are you just watching my God? So, madame, since yesterday, oui, madame, depuis hier, you are not feeling fine. Depuis hier, tu ne te sens pas bien. Avant hier, je dis, hier, ça s'est empiré. Avant hier, j'ai supporté. Hier, ça s'est empiré. Aujourd'hui, je n'allais même pas travailler. Quand j'ai pris les médicaments, ça s'est un peu calmé, mais vraiment, ça continuait même au bureau. Donc, je disais en rentrant à mon mari que peut-être c'est le matelas, comme il y a des matelas qu'on dort à plancher, donc il faut changer peut-être et tout. Donc, you, c'est pour dire que vraiment j'avais. Tu as changé le matelas? Je voulais, papa. Tu voulais? Mais quand. Si tu regardes juste comme ça, not the one that you know yesterday with the disorder. C'est pas celui que tu connaissais hier qui est sur cette terre là. Amen. Not the one that you are living on past Sunday here. Not the one with the disorder. C'est pas celui que tu as laissé ici dimanche dernier. I am telling you. Je vous dis. I am telling you. Je vous dis. Healing of Jesus Christ has breathing in your midst. Et la guérison de Jésus qui souffle parmi vous. Oh my God. He said that. Il a something dit. Left me. Il a dit quelque chose m'a quitté. Oh my God. Jesus has something left me. Jésus a dit quelque chose m'a quitté. And he said that power come out of me. Il a dit il y a une puissance qui est sortie de moi. Who touched me? Qui m'a touché? Jesus said, who touched me? Jésus a dit qui m'a touché? That power go to go and settle the situation of someone. Amen. Cette puissance est quittée en Jésus pour aller régler la situation. That is why I come to you for this place. Come with supernatural healing power that the Lord sent me to be explored now today. You are receiving in the name of Jesus. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui parmi vous avec la puissance supernaturelle de la guérison que le Seigneur m'a envoyé souffler dans vos vies. Amen. Oh, you are not hearing me. Vous ne comprenez pas. You are not hearing me. If your heart open, je dis si ton cœur est ouvert. The same way, healing enter your body. The same way, in your business as healing. Je dis si tu as ouvert ton cœur de la même façon que la guérison est entrée dans ton corps, tes affaires aussi vont être guéries. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Madame, the Lord has healed you. Le Seigneur t'a guéri. I'm not the healer. Je ne suis pas le guérisseur. I'm not the one that gives that healing for you. C'est pas moi qui t'ai donné cette guérison. But I know who is giving that healing now. Mais je sais qui t'a donné cette guérison maintenant. It's in our midst. Il est parmi nous. It's in our midst. Il est parmi nous. His name is Jesus Christ. Son nom est Jésus Christ. That power that left him, that is the one that touched him. A permanent blow. Somebody say permanent blow. Permanent blow. Somebody said permanent blow. Jésus a dit. Something left me. Quelque chose m'a quitté. And that one, that is the one that if you need healing, that one come out for me and pull. When it touches you, healing enter instantanément. Amen. Oui, Jésus a dit quelque chose m'a quitté. Il y a une puissance qui m'a quitté. Et dans ce cas-là, si tu as besoin de la guérison, c'est cette puissance qui a quitté Jésus qui va venir te donner la guérison. Amen. Your enemy is louder, I shall receive. Look, let me tell you. Laissez-moi vous dire. Madame. 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 You are free. Tu es guéri. Go and sin no more. Va et ne pêche plus. Your past is over. Ton passé est passé. Jesus has done it again. Jésus l'a fait. Put your hands together for Jesus. Yes. There is another testimony. Oui. Yeah. Amen. Mama, present yourself. Oui, maman, présente-toi. Oui, je m'appelle Maman Baron Angélique. Yes, what was the problem that you're having before coming here? Quel était le problème que tu avais avant de venir ici? J'avais la douleur au niveau de la jambe droite, de la jambe gauche.
Le puits presque une semaine. Donc, je n'arrivais même pas à bien dormir. Même lorsque je m'assieds, je sens une fatigue, c'est comme si le pied se paralysait. Et cette douleur-là, ça descendait et tout ça me donnait les crampes au niveau des orteils. And now, when you come to the house of God, after the prayer of the man of God, what happened? Oui, maman, maintenant, quand tu es venue dans la maison de Dieu, après la prière de l'homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Après la prière de l'homme de Dieu, j'ai senti quelque chose qui sortait de mon pied. C'était comme les aiguilles. Donc, ça piquait. Et ça sortait ça de la hanche jusqu'au pied, jusqu'aux orteils. And now, how are you feeling within you? How do you feel within your legs? Maman, maintenant, comment tu te sens? Comment tu sens ton pied? Je me sens bien, le pied ne me fait plus mal. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Acclamez sérieusement pour le Seigneur. Who stand that you will believe instant healing? C'est quand que vous allez croire en la guérison instantanée? I want to ask a question. Je vais vous poser une question. Who stand that you will believe instant healing? C'est à quel moment que vous allez croire en la guérison instantanée? Instant healing comes because your case is urgent. Amen. La guérison instantanée vient parce que ton cas est urgent. Amen. Ah, my God, you are not hearing me. Vous ne m'entendez pas. Instant healing, instant miracle comes because your case is urgent. Amen. La guérison instantanée vient, le miracle instantané vient quand ton cas est urgent. That's why Jesus, many of you that are waiting for this place, we waited here. Still have belief of païen. I call it païen. Oui, il y a beaucoup qui sont là qui ont encore des croyances de païens. But Jesus said that when you believe me, Jésus a dit quand tu crois en moi, you, toi, what happened to me, ce qui m'est arrivé, amen, va t'arriver aussi. Amen. He said that those that believe in me will be healed, will be free, will be saved. Amen. Il a dit ceux qui croient en moi seront guéris, seront sauvés, seront délivrés. Amen. People are testifying. Les gens témoignent. You are not believe. Tu ne crois pas. What did bring you for the house of God? Qu'est-ce qui t'a emmené dans la maison de Dieu? Are you come to source a supporter? Est-ce que tu es venu là pour être un supporter? Non, non, pas. We never be a supporter in the house of God. Dis à ton voisin, je ne serai jamais supporter dans la maison de Dieu. Amen. Dis sérieusement à ton voisin, je ne serai jamais supporter dans la maison de Dieu. You are a decoration in the house of God. Est-ce que tu es une décoration dans la maison de Dieu? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Look. Écoutez. She said that after the prayer, something left. Elle a dit après la prière, quelque chose l'a quitté. I come here. I'm not sent myself. Je suis venu ici, je ne me suis pas envoyé de moi-même. Before, you are not seeing me running your maze, I started to pray for you. Vous ne m'avez pas vu passer entre vous et prier pour vous? Because I know something want to be explored. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui veut exploser. The one that sent me, he said that healing and breathing. Go around, healing and breathing. Parce que celui qui m'a envoyé m'a dit, va, là, le souffle de la guérison est là. Healing and breathing. La guérison souffle. As I'm talking to you, the healing is speaking, is breathing, is breathing. Amen. Au moment où je vous parle, la guérison est en train de souffler dans la salle. Amen, je reçois. I said that spreading, where you are she doing that spreading? La guérison souffle. After the prayer, something left. Après la prière, quelque chose l'a quitté. Something walked in our body and out. Quelque chose s'est déplacé dans son pied et sorti. Tell the neighbor, neighbor, I see it live. Dis à ton voisin, je vous sens en live. Neighbor, I see it. Dis sérieusement à ton voisin, je vous sens en live. C'était pas en rêve. It's not in dream. Amen. Amen. Madame. So now you are not feeling that pain again. Maintenant tu ne ressens plus cette douleur. Je ne ressens plus la douleur. Parce que même là je disais à mon mari que si la douleur va persister lundi, je devrais me rendre à l'hôpital. Mais là je suis complètement guéri. Amen. My God. Are you just washing that guy? Est-ce que vous regardez seulement comme ça? Acclamez sérieusement pour le Seigneur. Madame, can you preach exercise on the wall? Maman, est-ce que tu peux t'exercer devant nous et marcher? Walk, walk, let me see. Walk. Marche, on te voit et marche sur la gloire de Dieu. Oh my God! Regardez. Moving, moving, let me see.
Jesus is not the Jesus of mouth. My Jesus is not the Jesus of mouth. Madam, Jesus has healed you. Maman, Jésus t'a délivré. And your healing is permanent now. Et ta guérison est permanente. Amen. Covered and covered by the precious blood of Jesus forever in Jesus' name. Yeah. Yes, yes. Sois couvert par le précieux sang de Jésus pour toujours dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, go sin no more. Va et ne pêche plus. Put your hands together. Acclamez pour le Seigneur. Oh my God. Hallelujah. Yes, more testimony are coming. Now, our mother wants to testify the goodness of the Lord after the prayer of the man of God. Yes, ma'am. Tell your neighbor, he died to save me. Yes, he died to save me. He died to save me. He died to save me. And what was your problem before coming to the house of God? Oui, maman, quel était ton problème avant de venir dans la maison de Dieu? Depuis une semaine, j'ai mal pour le côté droit. Oh my God. Du bras jusqu'à la pointe des pieds. Donc, la douleur me faisait tellement mal. À un moment donné, je me disais même que peut-être que la tension avait augmenté parce que je suis hyper tendue. Donc, ça me faisait mal. Même en venant ici, du carrefour jusqu'ici, j'avais du mal à marcher. Et là, tout à l'heure, après la prière, j'ai senti comme si on m'avait tiré le pied. Et je sens le pied léger. Put your hands together! Come out! Aha! Pour vous, s'il est. Quel pied, maman? Hey! Comme les sons sont. The right side. Le pied droit. Now you are not feeling the pain. Maintenant tu ne ressens plus aucune douleur. Tape à bord. J'ai les plus de douleur. Oh my. Are you sure? Je vous dis encore. Not the one that you are living on past Sunday in this shelter. Not the one that you are living on past Sunday in this shelter. C'est pas ce
celui que vous avez laissé dimanche dernier ici sur cet autel. C'est pas lui qui est devant vous. The one that you are seeing is Jesus. Celui que vous voyez devant vous, c'est Jésus. Is the one that has blown the healing. C'est lui qui souffle le vent de la guérison. Anyone that believes in him. Quel que soit le nom. Mama, Maman, the Lord has healed you. Le Seigneur t'a guéri. That pain that you are feeling, cette douleur que tu ressentais, not me that gave that healing for you. It is Jesus that healed you. Ce n'est pas moi qui t'a donné cette guérison, mais c'est Jésus qui t'a guéri. Amen. Your past is over. Ton passé est passé. So now, maintenant, go. And serve Jesus, spirit and truth. The Amen. Best is yet to come. Amen. On va servir Dieu en esprit, en vérité, le meilleur est à venir. Amen. Amen. For the King of Glory. Acclamez pour le roi de gloire. Thank you, Jesus. If you are not a witch, clap your hand beautifully for Jesus. Bring them out and be yes. this year. From this woman, yes, Mama, present yourself. Oui, maman, donne-nous ton témoignage. Présente-toi et donne-nous ton témoignage. Bonjour. Bonjour. Where are you from? Where are you from? Tu viens d'où, maman? Tu viens d'où? Where you come from? Maman, tu viens d'où? Okay. What was the problem that you are having before coming to this? Quel était le problème que tu avais avant de venir ici dans la maison? Mon problème que je me tiens devant vous aujourd'hui, parce que moi j'ai toujours une douleur qui me fait mal au sein. Depuis des années, mais je ne fais que prendre les calmes. Which side of the breast? Maman, quel côté, quel sein? Le sein droit ou le sein gauche? Le gauche. And how the problem disturbing you? What you have the treatment? Did you go to the hospital? How do you do it? Depuis que tu as ce problème-là, tu es allé où à l'hôpital? Comment tu as essayé de traiter le problème? Je ne faisais que payer les antibiotiques à la pharmacie. Et quand on a commencé à prier, tu mettais toujours ma main là-bas, je sentais que ça ne faisait que tenir. Mais quand on a terminé de prier, je sens que je ne sens plus. Oh, you can't count the year. Tu ne peux pas compter les années, mais ça fait longtemps. Oh my God. That pain just like that. Et maintenant cette douleur a disparu. Appuie bien pour que les tomates soient prêts. Appuie bien pour que les tomates soient prêts. Les soient prêts. Aïe aïe aïe. Oh my God. Who can do it for me? Qui peut faire cela pour moi? My mother cannot be doing it for me. Ma mère ne peut pas faire ça. My father cannot be doing it for me. Mon père ne peut pas faire ça. My brother cannot be doing it for me. Can you feel hold that Jesus? Est-ce que tu peux t'accrocher à ce Jésus? Amen. Can you feel hold that Jesus? Est-ce que vous pouvez vous accrocher à ce Jésus? Amen. Tell your neighbor that is Jesus for me. Amen. That is Jesus for me. Put your hands together. Acclamez pour le Seigneur. Oh my God. This lady has suffering many years. Cette femme souffrait depuis plusieurs années. The pains of the right breast, the left breast.
Oui, la douleur au sein gauche. And she cannot fix. Madame, the time that you are feeling that pain, can you be able to press it? Maman, quand tu ressentais cette douleur, est-ce que tu étais capable d'appuyer ce sein gauche là? Non, je ne pouvais même pas. Parce que ça me faisait trop mal. Il fallait que je passe à la pharmacie, prendre toujours les calmants que je bois souvent. Oh my God. So you just go and collect, take the calmant, always. Donc tu avais l'habitude de prendre les calmants seulement. Oui. Oh my God. Je demandais que si ça perd, ça je veux aller à l'hôpital. Oh my God. Doctor, tell your neighbor, doctor, treat for Jesus here. Amen. Dis à ton voisin, le médecin traite, mais Jésus lui guérit. Dis sérieusement à ton voisin, le médecin traite, mais Jésus lui guérit. Doctor, treat for Jesus here. Amen. Amen. Healing has breathing in your side, I'm telling you. La guérison est en train de souffler par If your heart is open, healing has breathing. Si ton cœur est ouvert, la guérison. Healing has breathing. La guérison souffle. Now press it, let us see. Maman, maintenant appuie ton sein, on voit. Do what you cannot do. Fais ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Press it, press it, let us see. Appuie bien ton sein. Someone was plenty now. Il y a beaucoup de Thomas dans la salle. Maman, appuie bien ton sein. Are you watching? Est-ce que vous voyez? Are you feeling pain? Est-ce que tu ressens encore une douleur, maman? Walk around, appuie bien ton sein. But for people will be sad, people will be for front. Maman, passe devant les personnes. And show them how Jesus has healed you. Et appuie ton sein, montre-leur comment Jésus. Prenez-la. Oui, maman, quel est le conseil que tu peux donner aux gens qui te suivent en ce moment, qui sont des Thomas, qui doutent encore? Je peux donner les conseils au peuple de, à mes frères et sœurs, que mettez votre foi en Jésus. C'est la première fois que tu viens ici, maman. Donc, je suis là depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Bon, today, là, mais c'est aujourd'hui que tu as reçu ta guérison. Non, je reçois toujours. Madame, now your healing is permanent. Amen. Madame, maintenant ta guérison est permanente dans le nom de Jésus. Jesus, I heal you. Jésus t'a guéri. I'm not the one that healed you. C'est pas moi qui t'a guéri. The one that healed you, his name is Jesus Christ. Celui qui t'a guéri s'appelle Jésus. Now, as he has healed you, maintenant qu'il t'a guéri, nobody can change that healing again. Amen. Personne ne pourra changer cette guérison. Amen. It is you now to go and sin no more. C'est à toi d'aller et de ne plus pécher. Amen. And now, start a new life. Your past is over. Maintenant, commence une nouvelle vie. Ton passé est passé. Amen. Put your hands together for Jesus. Yes. Amen. Yes, there is one more testimony. Oui, encore un témoignage. Yes, Mama, present yourself. Oui, Maman, présente-toi. Je m'appelle Mimon Bernadette. Yes, what was the problem that you're having before coming into the house of prayer? Oui, maman, quel était le problème que tu avais avant de venir dans la maison de Dieu? J'avais quelque chose qui marchait dans la gorge, me faisait souvent mal.
Et puis ça me donnait des étouffements, des palpitations, le mal des yeux, partout. Mais après, presque tout le corps même. Mais après la prière de l'homme de Dieu, je suis libre. Amen. 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 Donc tu ne ressens plus cette chose qui était à ta gorge. Non, je ne sens plus ça. Même ça, je n'ai pas vu les yeux. Hein? Oui. Before, j'avais mal de voir la lumière. You cannot see the light before. Tu ne pouvais pas bien regarder les lumières. Non, je ne pouvais pas bien regarder. But now. Et maintenant. Là, c'est bon. Aha. Aha. Another
que Roger veste d'abord, il me compte. Oui, et il y a certains parmi eux qui ont dit non. Avant, comme il a dit qu'il arrive, là, je vais d'abord aller acheter quelque chose en cachette avant qu'il revienne. Du kérosine. Du carburant avant qu'il ne revienne. Oh my God. Du pétrole avant qu'il ne revienne. And now, when he tell them, quand il leur a dit cela, those that be wise, ceux qui étaient sages, already buy their own to ready for me. Ils avaient déjà acheté pour eux, ils étaient là, ils étaient prêts pour Jésus. But those that be, I call it Maboul. Mais je vais les appeler les Maboul, ceux qui étaient Maboul. Ah, non, bye. Non, pas acheté. Then just go. Ils sont juste allés comme ça. Before you finish, I'll go and buy another one. Il a dit avant qu'il le finisse, je vais aller acheter autre, les autres. But you don't know that. The kingdom of God was the sovereign violent, and violent dogs are the one that take it by force. Mais vous ne savez pas que le royaume des cieux a souffert des violents, et ce sont les violents qui le prennent par la force. He said to them, go and prepare. Il leur a dit, allez-y vous préparer. I'm coming. J'arrive. And when they go. Et quand ils sont partis. Now that time when some they go to go and buy kerosene. C'est à ce moment-là que d'autres sont allés acheter le pétrole. And what is happening? Et qu'est-ce qui s'est passé? Then shall the kingdom of heaven shall be likened unto 10 virgins. Matthew 25:1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Are you hearing that? The Bible called them foolish. Amen. Vous avez écouté, la Bible les appelle les Maboul. Me too, I call them Maboul. Moi aussi je les appelle les Maboul. If you are a Maboul in the presence of God, the blessing of God will pass by. Si tu es Maboul dans la présence de Dieu, les bénédictions de Dieu vont passer à côté de toi. If you are ignorant in the presence of Holy Ghost, si tu es ignorant dans la présence du Saint-Esprit, the healing of Jesus will pass by. La guérison de Jésus va passer à côté de toi. If you are ignorant, hear the atmosphere of Jesus Christ. Si tu es ignorant dans l'atmosphère de Jésus Christ, pray. All that sitting beside you can get freedom, but you will still be. C'est dans la blague que ceux qui sont à côté de toi vont recevoir la guérison et toi tu l'auras. You think so those that stand up and testify, you think so some they are shocking. Tu te dis que ceux qui se lèvent pour témoigner, certains blagues. You think so they are shocking. Tu te dis que certains blagues. They are not shocking. They are feeling what Jesus has done in that body instantanément. Ah. Ils ne sont pas en train de blaguer, ils sont en train de témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie instantanément. Amen. Because I don't know what is happening now. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. But the Lord said to me, go and blow. Mais le Seigneur m'a dit, va et souffle. Healing is available for everyone. La guérison est disponible pour tout le monde. That is what he has sent me to do. C'est ce qui m'a envoyé faire. That's why I'm here. C'est la raison pour laquelle je suis là. Now as I'm talking to you, you are blessed spiritually, but physically you are taken to my spiritual. You are not sure what is happening. Au moment où je vous parle, vous êtes déjà béni spirituellement, mais physiquement. You are blind. Vous êtes aveugle spirituellement. But the physical, you get the two eyes to see. A small rat is not unspoken. Mais physiquement, vous voyez seulement devant vous un petit rat qui est sur le terre là qui vous parle. But Jesus. Mais Jésus. Said. A dit. He said that. Il a dit. Something happened. Quelque chose s'est passé. Now in our midst. Maintenant parmi nous. Now in our midst. Il dit maintenant parmi nous. How do you receive your word? Comment tu as reçu pour toi? If your faith, if you believe your faith be available. Don't look for this rat, you will receive instantly. Et si tu crois que ta foi est disponible, ne regarde pas ce rat qui est à l'hôtel là, tu vas recevoir pour toi. Amen. Because. Parce que. The, and now as I'm talking to you, if that you were expecting long time ago now as breathing beside you. Même si depuis des années en train de souffler à côté de vous. And as I'm talking to you. Et au moment où je vous parle. As I'm talking to you. Au moment où je vous parle. Anyone that is open. Available for Jesus. Ils sont disponibles pour vous. Now you will receive in the name of Jesus. Because I know. It's available. Que c'est disponible.